D'ailleurs, quoi que ce soit que l'on veuille faire dans la vie, une chose est absolument indispensable et à la base de tout. C'est la capacité de concentration de l'attention. Si l'on arrive à rassembler les rayons de l'attention et de la conscience sur un point et que l'on est capable de maintenir cette concentration avec une volonté persistante, il n'y a rien qui puisse résister. Quoi que ce soit, depuis le développement physique le plus matériel, jusqu'au développement spirituel le plus élevé. Mais cette discipline doit être suivie d'une façon constante et pour ainsi dire imperturbable. Non pas toujours concentré sur la même chose. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire apprendre à se concentrer. Et matériellement, pour les études, pour les sports, pour tout développement physique ou mental, c'est absolument indispensable. Et la valeur de l'individu est en proportion de sa valeur d'attention. Et au point de vue spirituel, c'est encore plus grand. Il n'y a pas d'obstacle spirituel qui résiste à une puissance de concentration pénétrante. Par exemple, la découverte de l'être psychique, l'union avec le divin intérieur, les ouvertures sur les sphères supérieures, tout peut s'obtenir par un pouvoir de concentration intense et obstiné. Mais il faut apprendre à le faire. Il n'y a aucune chose qui soit dans le domaine humain et même surhumain dont la clé n'est pas le pouvoir de concentration. Vous pouvez être le meilleur athlète, vous pouvez être le meilleur élève, vous pouvez être le plus grand saint avec cette faculté-là. Et on peut comme avoir un tout petit commencement, c'est donné à tout le monde, mais on ne le cultive pas.